Je voudrais maintenant inviter Tom Sauer. Tom Sauer est professeur internationale politique. Tom Sauer est professeur de politique internationale à l'université d'Anvers et également Peace Fair. De la paix, ambassadeur de la paix, que ce professeur de politique internationale prendra la parole pour nous parler de la Russie et l'Europe occidentale. Alors dans l'application Facebook, vous aurez la possibilité de poser vos questions, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Nos deux secrétaires sont là pour bien noter toutes vos questions. Toutes vos questions seront rassemblées. Nos deux secrétaires sont présents et Tom Sauer, bien entendu, est prêt à répondre à vos questions après sa présentation. Accueillir le professeur Tom Sauer. Bonjour à tous ici et dans votre côte. Je vais continuer en néerlandais. Je dois vous avouer que je suis très. Je remercie le Rotary pour le fellowship dont on m'a fait bénéficier. Et j'ai pu travailler aux États-Unis à mon doctorat. Donc je voudrais tous. Vous inciter à continuer cela. Dans le temps, c'était des ambassadorial fellowships, ça a évolué également, et ça a vraiment boosté ma carrière. Et bon, j'ai passé également du très bon temps aux États-Unis, à Boston, avec mon épouse. Nous étions tout juste mariés, donc c'était un peu un voyage de noces prolongé. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes mondiaux. On a parlé déjà de la COVID, le racisme. On en parle souvent également. Alors, il y a le climat, le réchauffement de la Terre. La COVID n'a pas fait disparaître ces problèmes-là. Et un autre thème dont on ne parle plus dans les actualités, c'est la relation entre l'Ouest et la Russie. Et j'ai préparé une présentation PowerPoint. Et j'essaye de la lancer. Voilà. Donc ici, vous voyez le dangereux ours russe. Et on parle là de 2014. Il y a déjà 6 ans, donc qui a attaqué une partie d'un autre pays, l'Ukraine, et a arraché une partie, notamment la Crimée. C'est contre toutes les règles qui ont été convenues après la Deuxième Guerre mondiale, donc ne pas toucher au pays qui appartiennent à l'un ou à l'autre. Et donc, la Russie a fait différemment en 2014. Et donc, au Limbourg, bon, il y a des problèmes parce que, suite à cela, il n'y a plus d'importation de poire en Russie. Alors, il y a également une guerre cyber. La Russie s'implique dans les élections aux Pays-Bas, également les avions. C'est comme lors d'une guerre froide où les avions passent les limites des frontières et les avions belges doivent les chasser. Donc ils passent également, donc les bombardiers russes passent également au-dessus de la mer du Nord. Donc ça crée des problèmes. Poutine donne un discours devant le Congrès en présentant des nouvelles armes, des armes hypersoniques. C'est une grande nouveauté. Et également, la question arrive des Russes qui tentent des
des armes chimiques, comme on a vu en Angleterre et également plus récemment en Allemagne. Et alors, qui est le responsable? C'est M. Poutine. Je ne vais pas défendre M. Poutine. Ça, il faut que ce soit très clair. Je ne souhaiterais pas travailler en Russie. C'est une dictature, c'est une autocratie. Donc, je préfère rester en Belgique. La politique étrangère de la Russie n'est pas exactement ce qu'on peut attendre, mais il faut tout de même nuancer ce qu'on entend dans les médias. Et nous devons nous demander comment cela se fait que la Russie est passée à l'action en 2014. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Parce que les États, comme les personnes, n'agissent pas tout juste comme ça. Il y a toujours une idée. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Alors, je crois que les médias ont expliqué les choses de façon plutôt simpliste. Donc, le problème est la Russie. Et nous sommes les victimes. La Russie est expansionniste. Ça se retrouve dans les gènes des Russes. Donc ça, c'est la théorie. Et donc, ils vont continuer et ça ne s'arrêtera pas avec l'Ukraine. L'Estonie, la Lituanie doivent être très prudents. Donc ça, c'était dans le passé avec l'Union soviétique. J'appelle ça une vision simpliste. Et nous allons voir pourquoi. On va donc retourner un peu en arrière et il faut voir comment les grands États, parce que ça, c'est la politique mondiale, l'Amérique, la Chine, l'Europe, le Japon, la Russie. Ce qui est important, c'est comment ils vivent ensemble. Il y a 6 possibilités, passant de la guerre mondiale, c'est encore pire que la Covid, les guerres interétatiques, donc c'est plutôt limité, également à des équilibres de pouvoir. Donc on se laisse tranquille pour passer vers une relation plus intelligente, c'est de la sécurité collective. Donc on convient de la paix entre toutes ces grandes forces politiques. Parce que bon, il y aura toujours des conflits. On connaît cela en interpersonnel. Donc les conflits existeront toujours. Mais lorsque les conflits arrivent, comment est-ce qu'on va les traiter en tant que personne, mais ici en tant que grands États? Et alors, il y a encore une chose qui est meilleure, à mon avis, que cet équilibre. C'est donc vraiment s'entendre sur cette sécurité. Encore mieux, c'est de créer une communauté de sécurité. Ce sont des États qui ne se craignent pas. Ça semble un peu utopique, mais non, les pays scandinaves, par exemple, c'est ainsi. La Suède n'a pas peur de la Norvège. Le Benelux, c'est également une communauté de sécurité. Et donc, si tout le monde était une communauté de sécurité, les plus grands conflits seraient déjà résolus. Mais ça, on n'y est pas encore. Et alors, ce qui est une vision du futur, c'est la paix durable. Mais commençons par le début. Bon, on ne va pas pouvoir changer les choses d'un jour à l'autre pour passer d'une guerre mondiale à une paix durable. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais donc, à la fin d'une année, d'une guerre, ça donne une possibilité d'améliorer les choses, donc de passer vers un équilibre de pouvoir et passer vers une sécurité collective. Bon, mais ça ne se passe pas toujours de cette façon-là. Et alors, ce qui est très important, c'est comment le gagnant va traiter le perdant. Alors, on va voir comment ça s'est passé lors des 200 dernières années. Donc, il y a les guerres napoléoniennes. Luc est expert, en est expert. À Waterloo, les Anglais ont battu Napoléon, et nous, au fond. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Donc, les grands États ont créé un concert européen
avec certains accords concernant la paix et la guerre. Et ça a créé une stabilité et une paix jusqu'à la Première Guerre mondiale. Bon, il y a eu quelques petites guerres en Crimée, qui est une région apparemment tout de même importante, donc en 1830, puis la guerre entre la France et l'Allemagne. Et bien entendu, ensuite, la Première Guerre mondiale. Mais pendant plusieurs décennies, on a eu une grande stabilité grâce à ces accords de paix collective après cette guerre. Et la Première Guerre mondiale, qui a perdu, c'est l'Allemagne. Et on a donc obligé à l'Allemagne de payer des indemnisations. Et puis, ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et après la guerre mondiale, qui a perdu à nouveau l'Allemagne et le Japon. Et là, on a tiré les leçons de la Première Guerre mondiale, et on a repris l'Allemagne et le Japon dans les assemblées internationales, même dans l'OTAN. Et l'Allemagne est devenu un des États les mieux organisés. Comment avons-nous réagi après la guerre froide? Qui a perdu la guerre froide? La Russie. Il n'apprécie pas trop à Moscou, mais c'est un fait. Alors il faut se poser la question de savoir comment nous avons traité la Russie après cette guerre. Avons-nous inclus la Russie dans cette architecture euro-atlantique après cette guerre? C'est ça la question. Et je pense que tout le monde est d'accord si je dis que la Russie n'a pas été intégrée sur un pied d'égalité dans cette architecture. Donc la Russie a été exclue de cette organisation. On aurait pu faire autrement. Deux scénarios étaient possibles. On aurait pu intégrer la Russie comme on l'avait fait avec l'Allemagne et le Japon, ou comme on avait intégré la France après 1815. Mais non, le père Bush a dit qu'aucune organisation ne peut se porter garante de la sécurité et de la stabilité. Donc l'OTAN doit être instauré. Donc c'est ce qui se fait après de grandes guerres. Et après, cela s'arrête. Pensons à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Les alliances s'arrêtent après, comme le pacte de Varsovie qui a été dissolu en 1991. Mais l'OTAN, dont nous faisons toujours partie actuellement, continue d'exister. C'est bizarre. Donc, d'un point de vue historique, évidemment, la Russie n'a pas apprécié. C'est tout à fait compréhensible parce qu'une alliance, bon, c'est à l'encontre d'un ennemi. Et donc, il faut trouver un nouvel ennemi après une guerre. Ce n'est pas difficile de trouver un nouvel ennemi. La Yougoslavie avec Milosevic, avec les terroristes, les conflits en Afghanistan, etc. Et finalement, on trouve toujours un ennemi. Alors, est-ce que la Russie était intéressée à intégrer l'OTAN? Et la réponse est deux et trois fois oui, Gorbatchev était intéressé. Il l'a d'ailleurs dit en 1990. Alors, Yeltsin l'a répété en 1993. Et Poutine, notre ennemi actuel, qui est contre l'Occident, non, en 2001, il était intéressé à faire partie de l'OTAN. Donc, il n'était pas tellement anti-occidental. Et d'ailleurs, qui a appelé Bush après les attentats du 11 septembre? C'était M. Poutine. Alors, que s'est-il passé? Comment s'explique le problème entre la Russie et l'Occident? Bon, j'ai dit au début, des conflits, il y en aura de toute manière. Tout le monde le sait.
les conflits dans ce cas-ci portaient sur le Balkan. En Yougoslavie, où on passait nos vacances, il y a eu une guerre début des années 90 et la Russie a soutenu la Serbie, nous avons soutenu les autres pays. Donc, ensuite, il y a eu la guerre au Kosovo et puis cette partie a été déchirée de la Serbie. Donc, comme on a fait avec la Crimée en Ukraine, donc en fait, on a fait la même chose. Mais les principales frictions étaient dues au fait que l'OTAN a été élargie. Donc, vous voyez la partie en bleu. Donc, l'OTAN s'est élargie vers l'est, donc en direction de la Russie. En soi, ce n'est pas anormal que les pays de l'est veuillent adhérer à l'OTAN. Mais nous avons tout simplement déplacé les frontières. On aurait aussi dû intégrer la Russie dans l'OTAN, dans cette architecture de sécurité. Donc, on a admis ces pays, on a placé des systèmes antimissiles contre l'Iran, soi-disant. Mais bon, mettez-vous à la place de Moscou. Si on avait un accord avec l'Iran en 2015, alors ces systèmes resteraient sur place. Alors Moscou pense que ces armes leur sont destinées, en quelque sorte. Et puis, une autre question importante, est-ce qu'on avait promis à la Russie de ne jamais élargir l'OTAN? Les Américains disent que non. Alors nous, les scientifiques, nous avons consulté les archives pour trouver une solution ou une réponse objective. Et voici une citation du ministre ouest-allemand des Affaires étrangères le 2 février 1990. Donc Kohl veut unifier l'Allemagne. Et il dit, dans un discours, il appartient à l'OTAN d'affirmer sans équivoque, indépendamment de ce qui se passe avec le pacte de Varsovie, qu'il n'y aura pas d'extension du territoire de l'OTAN vers l'Est, c'est-à-dire plus près des frontières de l'URSS. Et ces garanties sont importantes pour l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que Gorbatchev n'était pas en faveur de cette unification de l'Allemagne, parce que l'Allemagne deviendrait le principal État de l'Europe. Et donc, l'Allemagne a bien compris. Et donc, ils ont dit, on ne va pas élargir l'OTAN. Le ministre américain des Affaires étrangères a déclaré une semaine après, James Bacon, il a promis de ne pas élargir l'OTAN. Il a dit, nous comprenons qu'il est important non seulement pour l'Union soviétique, mais aussi pour les autres États européens, d'avoir des garanties que si les États-Unis maintiennent leur présence militaire en Allemagne dans le cadre de l'OTAN, il n'y aura pas d'extension de la compétence de l'OTAN en matière de présence militaire, pas un pouce vers l'Est. Une déclaration faite le 9 février 1990. Et ces promesses ont été répétées à plusieurs reprises par des responsables politiques européens, donc comme quoi l'OTAN ne serait pas élargie. Et que 17 historiennes que j'ai connues à Harvard, grâce au Rotary d'ailleurs, donc après avoir entendu ces assurances répétées, Gorbatchev a donné à l'Allemagne de l'Ouest ce que Kohl a appelé plus tard le feu vert pour commencer à créer une union économique et monétaire entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Donc le premier pas vers la réunification. Donc on promet à Gorbatchev que l'OTAN ne sera pas élargie et que de cette manière, l'Allemagne respectera donc cette promesse. Donc nous voyons la réunification de l'Allemagne en septembre 1990. Et nos promesses ne sont pas respectées parce que l'OTAN est élargie en plusieurs phases. Karaganov dit, suite à cette remarque comme quoi il n'y a pas de promesses critiques, mais des promesses orales, et il a dit que cela semblait en fait inapproprié, tout comme deux amis qui se promettent par écrit ne pas séduire le mari de l'autre. Bon, Gorbatchev
avait demandé de mettre cela sur papier dans cette convention. Mais donc la promesse orale a été faite. Une promesse, c'est une promesse. Bon, retournons dans le temps, les années 90. De nombreuses personnes critiquaient déjà l'élargissement de l'OTAN en raison de cette peur que la Russie réagisse. Je pense à des diplomates comme George Kennan, alors un ex-général aussi, qui ici, à Mons, était basé donc, dans les années 90. Alors, des universitaires de droite, de gauche, qui ont réagi contre l'élargissement de l'OTAN. Alors, que dit ce général retraité? Nous avons gagné la guerre froide. C'est une déclaration faite en 95. Mais nous perdons la paix après la guerre froide. J'en doute pas un instant. Nous pensons trop peu aux Russes, qui sont et ce qu'ils font. Nous ne pensons pas non plus à ce qu'ils pensent de nous. Nous devrions laisser fusionner l'OTAN dans une organisation plus large qui inclurait également les Russes. C'est ce général américain qui a fait cette déclaration, qui était actif au sein de l'OTAN. Mais l'humiliation de la Russie continue. Poutine était le premier à appeler les Américains après les attentats du 11 septembre. Bush ne l'a pas apprécié parce que il a fait un speech quelques semaines d'après. Il a parlé aussi de la guerre en Afghanistan. Il a supprimé une convention à Berne de manière unilatérale. Il a attaqué l'Irak en 2003 sans consulter le Conseil de sécurité de l'OTAN. Donc encore un manque de respect à l'égard de la Russie. Et la Russie se sent humiliée par l'Occident. La classe politique a souligné la tromperie et l'hypocrisie systématique, les promesses non tenues, les déclarations sur lesquelles l'idée de l'existence de sphères d'influence dans la politique politique était dépassée et ne correspondait plus à la réalité, au concept moderne. L'Occident, cependant, n'a manqué aucune occasion d'étendre sa propre sphère d'influence, apparemment inexistante. Donc, deux poids, deux mesures. C'est ainsi que les choses sont perçues par la Russie. Et puis, c'est ma perception. Je pense que Poutine a changé d'avis en 2003. Il ne croit plus en de bonnes relations avec l'Occident. Il devient de plus en plus méfiant et commence à prendre des mesures à l'encontre de l'Occident. Donc, c'est en fait un comportement réactif. Ce n'aurait pas été le cas si on avait intégré la Russie dans l'OTAN. Pensons aussi à la flambée des prix du gaz et de l'énergie. Et Poutine a mis les points sur les i à la conférence de Munich sur la sécurité. Et ensuite, il y a eu une cyberattaque contre l'Estonie. Mais ensuite, il y a le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, en Roumanie. Bon, c'est une petite photo. Peut-être qu'à l'écran, c'est un peu plus clair. Donc, Angela Merkel était déjà à la tête de l'Allemagne à l'époque. C'est toujours le cas, peut-être plus pour longtemps. Alors, il y avait le terme aussi pour notre pays. Et à l'ordre du jour, figurait l'élargissement de l'OTAN avec la Géorgie et l'Ukraine. Bon, vous voyez devant vous la carte du monde. L'Ukraine n'est pas un petit pays. Et la Russie a dit ceci est la ligne rouge. Poutine était présent à ce sommet. Il était encore un peu plus jeune. Et il a lancé un avertissement. Si la Géorgie et l'Ukraine sont admises, il a menacé d'arracher la Crimée, la partie est de l'Ukraine. Donc, en fait, il a déjà prédit 6 ans à l'avance ce qui allait se passer. Et ça a été publié aussi dans les journaux, des universitaires en ont parlé. Le monde en était au courant. Donc, les services d'intelligence devaient être au courant. Mais je ne sais pas ce
que le ministre de l'Extérieur faisait à l'époque, mais il n'a pas compris le message. Donc, on a essayé de retenir Poutine. Merkel l'a également essayé. Mais donc, Bush a quand même voulu élargir l'OTAN. Donc, finalement, il n'y a qu'un pays qui prend les décisions au sein de l'OTAN, les États-Unis. Et nous, les Européens, nous suivons les Américains comme de petits chiens, comme si on n'avait pas d'intérêt européen spécifique. La Croatie et l'Albanie sont admises et la Géorgie et l'Ukraine pourront devenir membres. C'est ainsi qu'on avait décidé. Et puis, il y avait la guerre en Géorgie, une guerre provoquée par la Russie. Nous n'avons toujours pas compris le message. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est un État très important pour la Russie. C'est un État tampon. Si on avait respecté des accords en matière de sécurité collective, on n'aurait pas été confronté à ce problème. Mais la Russie avait sûrement besoin de cet État tampon. Nous avons déjà attaqué presque ou les pays tout près de la Russie pendant 200 ans. Et puis il y a eu Hitler également qui s'est arrêté aux portes de la Russie. Et puis là où on produisait les missiles en Russie et le port très important de Sébastopol, c'est le grenier aussi de la Russie. Donc, la Russie a vu l'Ukraine comme une partie de cette sphère d'influence. Vous voyez, c'est un énorme pays, l'Ukraine. C'est une carte d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, c'est l'Union européenne qui a finalement créé ce problème en Ukraine en 2013-2014. En tant qu'Union européenne, on voulait un accord d'association, un accord commercial avec l'Ukraine. L'Ukraine était d'accord, donc il voulait aussi devenir membre de l'Ouest, et donc les choses étaient, pour ainsi dire, réglées. Mais en tout dernier moment, Poutine a offert de l'argent. Le président ukrainien a accepté, la population a commencé à protester, et d'ailleurs, Verhofstadt s'est encore mêlé. Donc, 100 personnes ont été abattues. Le président s'est fui et la Crimée a été arrachée à l'Ukraine. Et la Crimée était occupée par les Russes, donc c'était une guerre hybride. Mais donc, je suis d'accord avec cette conclusion de Stephen Waltz, un collègue de Harvard, où j'ai passé 2 années, grâce à Rodari. Il dit, la crise ukrainienne n'a pas commencé par un geste audacieux de la Russie, ni même par une série de revendications russes illégitimes. Elle a débuté lorsque les États-Unis et l'Union européenne ont tenté de faire sortir l'Ukraine de l'orbite russe et de la faire entrer dans la sphère d'influence occidentale. La Russie n'est pas une puissance croissante ambitieuse. C'est une superpuissance vieillissante et en déclin. Ça, c'est la Russie. Mais ce n'est pas l'image que vous avez de la Russie quand vous lisez les journaux. Je vais vous montrer les chiffres tout à l'heure pour vous convaincre davantage. Et l'ex-secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, qui admet en 2015, « Je pense que nous avons sous-estimé l'humiliation. » Donc, c'était à l'époque dont nous parlons. Il dit que c'est une question de perception, et cette perception est importante. Ce n'est pas une justification des actions de Poutine. Donc, je ne vais pas justifier ce que fait Poutine. J'essaie tout juste de le comprendre. Et il dit, nous aurions pu agir avec plus d'intelligence à l'égard des Russes à l'époque. Donc, voilà la déclaration de l'ex-secrétaire général de l'OTAN. Alors, un fonctionnaire de l'Union européenne a déclaré, la Russie n'a jamais dit qu'elle voulait une sphère d'influence en Ukraine. Si elle l'avait dit, cela,
on aurait réagi différemment. Ah bon? Ce n'est pas correct. Alors, en ce qui concerne l'avenir, quelles sont les perspectives? Personnellement, je pense qu'une guerre est peu probable. On parle depuis longtemps de la Troisième Guerre mondiale. Bon, j'attends toujours. Évidemment, nous devons tirer des enseignements des évolutions de ces dernières années. Donc, vous voyez ici les chiffres. 165 millions. Nous avons 500 millions d'habitants en Europe. Et puis, à droite, en bas, vous voyez la puissance économique. Donc, le cercle vert, c'est l'Union européenne. En bleu, c'est la Russie, 2100. Donc, nous sommes une puissance économique beaucoup plus importante que la Russie. Le produit intérieur brut de la Russie correspond à celui de l'Italie. Nous, en Europe, nous sommes bien plus puissants au niveau économique. Et puis, les dépenses en matière de défense. Savez-vous combien nous dépensons pour la défense chaque année? Avez-vous une idée ici dans la salle? Pas énorme. En Belgique, même pas 1% de notre produit national brut. Donc, Trump trouve que nous sommes un mauvais élève. Mais quand on additionne tout, l'Europe dépense 250 milliards d'euros pour la défense chaque année. Alors, quand on regarde les budgets américains, 600-700 milliards, on arrive à 1000 milliards d'euros ou dollars par année en dépenses à la défense. Je ne sais pas si on a des dépenses également pour la paix, ça c'est autre chose. Et regardons maintenant les chiffres de la Russie. Bon, le grand ennemi, quelle est la dépense en défense de la Russie? Je vais vous le montrer. 60 milliards. 60. Et nous, 1000. Et ces chiffres, on ne les entend pas dans les médias. Donc, quand on connaît ces chiffres par rapport au produit national brut, bon, le danger de la Russie est peut-être moins important que ce qu'on dit. Je ne dis pas que la Russie ne peut rien faire dans les États baltiques, bien entendu, qui sont difficiles à protéger également par l'OTAN. Mais si nous continuons à embêter et à humilier la Russie, bien entendu, on peut s'attendre à ce qu'il va se passer quelque chose dans les États baltiques. Si nous tirons les enseignements de ce que je vous ai raconté, la Russie ne va pas essayer d'annexer les États baltiques. Et elle ne va certainement pas essayer d'entrer en Europe. Et là, ils n'ont pas du tout l'intention. Donc, il y a trois scénarios pour terminer. Donc, ou bien les relations vont encore se détériorer, et donc l'axe Chine-Russie va se réaliser contre l'Occident. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ou bien les choses, il y a un statu quo, bon, qui n'est pas possible, bien entendu, les choses changent tous les jours. Ou bien on va travailler de façon proactive à de meilleures relations avec la Russie. Je crois que Macron le souhaite, que notre ex-premier ministre, M. Michel, est allé en Russie pour améliorer les relations politiques. Pas uniquement pour les producteurs de pommes et de poivre. Ou une coopération ad hoc. Là, on a l'exemple de l'Iran. Le contrôle de l'armement. Ce sont de petits pas que nous pouvons faire pour avoir une meilleure intégration. Et en fin de compte, et je reviens sur ce que j'ai déjà dit, il faut créer une coopération institutionnelle dans un genre de sécurité collective, un nouvel OTAN ou
l'organisation de sécurité en Europe qui est étendue à la Russie. Ça sont les possibilités. Vous savez qui est au pouvoir actuellement. Je crois que tout le monde a compris la qualité du leadership dans le monde. Certains, c'est deux. Mais M. Trump lui-même est le seul à Washington qui veut faire de bonnes choses avec la Russie. Mais ça, il y a peut-être des raisons propres. Mais Washington, en général, ne souhaite pas améliorer les relations avec la Russie. Et donc, l'Europe pourrait peut-être jouer un rôle. Voilà, si termine la présentation. Et je crois qu'il reste encore un peu de temps pour certaines questions. Bon, ce n'est pas la réalité, c'est ma vision de l'histoire que l'on ne lit pas dans les médias, mais je crois que c'est tout de même proche de la vérité. Et si vous avez des arguments contraires, aucun problème. Je vois là déjà quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Oui, donc il y a une citation de Macron, il parlait de l'OTAN, pas de du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, Trump, le numéro un du monde, a dit que l'OTAN est obsolète. Bon, aucun autre président n'avait osé de dire cela. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la photo de la réunion ici à Bruxelles, la première fois que le président du Monténégro était présent, parce que l'OTAN avait été élargi au Monténégro. Et est-ce que vous vous rappelez, Trump le pousse tout juste en arrière, et c'est lui qui doit être à l'avant-plan. C'est vraiment typique pour la gestion de Trump. America first, de toute façon. Et Macron également, qui est la deuxième force au sein de l'OTAN, a dit que l'OTAN était mort. Je ne suis plus vraiment... je ne crois pas. Moi non plus, je ne suis pas vraiment pour l'OTAN parce que nous vivons un temps de paix et pas de guerre. Et je crois qu'il faut revoir cela avec une participation, entre autres, de la Russie, qui devient donc une organisation de paix, comme les Nations Unies, mais au niveau régional. Et je crois que si nous l'avions fait cela dans les années 90, les conflits dans le Balkan et à d'autres endroits au monde, on aurait mieux pu les discuter et il y aurait eu moins de problèmes. Mais bon, naturellement, on ne peut pas changer l'histoire et ce n'est pas une science exacte. Einstein a dit que la politique est plus compliquée que la physique parce que ce n'est pas une science exacte. Bon. Mais je crois que ce serait une bonne chose de faire participer la Russie dans cette architecture de Conseil de sécurité européen. Je sais que pour certains, ce n'est pas évident. Pour les systèmes politiques différents dans les pays. Mais si on fait cela, le système en Russie pourrait changer. On pourrait peut-être passer plus rapidement vers une démocratie. Si on les laisse faire, parce que la Russie ne souhaite pas devenir une démocratie, si on les fait participer, il y aura des échanges et
l'évolution positive de la Russie pourrait être plus rapidement, plus rapide. Bon, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais dans mon analyse, les choses qui se sont passées n'ont pas été très positives. Très inspirant, très ouverte, c'est-à-dire lire avec présentation. Une présentation très intéressante. Peut-être une première question. Si la Russie, après la guerre froide, aurait été traitée différemment, est-ce qu'ils auraient pu passer vers un système démocratique? Oui, ben c'est ce que j'ai tenté de répondre suite à la question précédente. Bon, le fil rouge dans mon livre, parce que je vous ai oublié. Bon, donc, il est temps pour la paix, donc, où le fil rouge est l'inclusion, pas l'exclusion. Je parle également des armes nucléaires, et également des forces syriennes. Et je crois que les responsables, ils se sont sentis extériorisés. Et donc, c'est difficile à comparer, mais je l'ai tout de même tenté dans mon livre. Et donc, si on ferait les choses mieux dans notre société par rapport aux jeunes, bon, il n'y aurait pas de jeunes qui seraient passés en Syrie. Et si on avait mieux agi par rapport à la Russie, on aurait moins de problèmes également. Et bon, ce n'est pas une sécurité, mais je crois que on aurait vu une évolution plus positive en Russie. Et bon, il y a un argument contraire. Bon, on a attiré des États de l'Europe de l'Est. Quand on voit la Hongrie, la Pologne, bon, c'est, bon, au niveau des droits et des libertés, il y a certains problèmes, mais ils sont non seulement membres de l'OTAN, mais également de l'Union européenne. Et bon, c'est un projet de paix, le projet européen. Et je crois qu'il y a un sérieux problème en Europe de l'Est. Et j'espère, à plus long terme, qu'on va voir une évolution positive. Et bon, c'est une chose également qui pourrait évoluer en Russie. Mais il faut tenter le coup. Vous parlez de la Pologne également. Et Trump fait passer les troupes armées de l'Allemagne vers la Pologne. Bon, Trump a pris une décision, en effet, de faire passer 9 000 soldats américains et de les déplacer. Bon, il en reste 25 000. On se demande pourquoi ils sont encore là, d'ailleurs, parce que je vous l'ai déjà dit que les Russes ne vont pas tenter d'entrer en Allemagne. Et donc, ça veut dire que Trump n'accepte pas l'OTAN. Il trouve que nous dépensons trop peu à la défense, 1%. Et je ne crois pas que ça va augmenter avec cette crise de la Covid. Donc on va dépenser des milliards à d'autres choses. Donc on ne va pas augmenter les budgets pour la défense, malheureusement pour la défense. Mais c'était la condition pour l'Amérique de continuer à investir dans l'OTAN. Donc si Trump est réélu encore pour 4 ans, alors je crains que ça signifie la fin de l'OTAN. Et donc, bon, je ne crois pas que ce soit très grave. Je crois que nous devons régler notre défense au niveau européen, donc créer une armée européenne à un niveau minimum, pas comme les Américains avec des centaines de milliards. Et je crois qu'il faut dépenser plus d'argent à la paix qu'à la guerre. Mais bien entendu, on aura besoin d'une défense. Il ne faut pas être naïf. Mais je crois que bon, le départ de ces soldats de l'Allemagne, c'est un début. Il faut qu'ils restent en Europe. C'est pour ça qu'ils sont déplacés en Pologne. Et ça ne plaît pas aux Russes, bien entendu, parce que ça ne va pas améliorer les relations entre l'Est et l'Ouest.
entre la Russie et les pays de l'Ouest. Vous avez également passé de l'Ukraine. Qui parle des droits du pays même. Hein, que souhaite l'Ukraine? Ukraine. Donc l'Ukraine est un genre de ping-pong. Mais quel souhaite-t-il? Une question d'Olivier Smeyers. Oui, c'est la plus grande victime dans toute cette histoire. Et surtout la population de l'Ukraine. On a vu Verhofstadt aller sur les barricades. Et donc, lorsque la population se rebelle, bon, il y a 100 personnes qui sont abattues et on ne fait plus rien. Donc, il y a encore toujours une guerre. Donc, une guerre froide à l'Est, où il y a tout de même eu pas mal de victimes jusqu'à présent, et il n'y a pas encore de solution, et l'Ukraine est vraiment enfermée. C'est également... il y a l'Ouest de l'Ukraine regarde plutôt les pays de l'Ouest, et l'Est qui... tente plutôt de s'entendre avec la Russie, donc il y a des discussions internes également. Mais je crois que, en fin de compte, la relation doit bien d'abord être améliorée avec la Russie pour ensuite améliorer les relations au sein de l'Ukraine. Parce que si on ne s'entend pas sur l'Ukraine, bon, on aura des problèmes, plus de problèmes avec la Russie. Donc, d'abord, rétablir les relations avec la Russie. Prochaine question est une plutôt avec les voix. Tout donne une image très positive de Gorbatchev, contrairement à sa popularité. Et c'est un peu l'inverse, dit-il, pour Poutine, qui est décrit par les médias, mais très populaire en Russie. Donc, klopt dat, was Gorbatchev? Est-ce vrai? Est-ce que Gorbatchev n'était pas très populaire en Russie et qu'on disait chez nous qu'il était très populaire et le contraire pour Poutine. Oui, une très bonne remarque. Gorbatchev, qui vit toujours d'ailleurs et qui suit encore la politique de très près, n'est pas du tout populaire en Russie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'implosion de la Russie. Bon, ce n'était pas le but, c'était quelque chose qu'il n'avait pas pu retenir. Il a voulu faire entrer la démocratie pas à pas en Russie, mais les choses se sont précipitées et ce n'était pas possible. Et donc la Russie est devenue bien plus petite, même si c'est encore un grand État. Et dans les années 90, il y avait des problèmes au niveau de l'économie en Russie. Et quand Poutine est arrivé, bon, il a eu la chance de l'augmentation du prix du pétrole et du gaz. Et bon, ils en ont profité parce que nous aussi sommes fort dépendants de la Russie pour le gaz et le pétrole. Donc 70% du pétrole, 40% du gaz de nos pays viennent de la Russie. Et Gorbatchev n'est pas populaire en Russie. Yeltsin a appris cela. Vous connaissez Yeltsin? C'était un personnage assez faible. Et puis il y a ce gars très fort qui a été mis en avant par la KGB. Donc Poutine, et qui a été très autoritaire dans son pays, également pour augmenter sa propre popularité. Et bon, comme j'ai déjà dit, a eu la chance de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, et il a essayé d'améliorer la relation, malgré tout ce qu'on lit dans les médias, mais il a dû laisser tomber assez rapidement. Et maintenant, il est assez populaire. Ces derniers temps, un peu moins. Mais je crois qu'il il a prévu maintenant de rester président jusqu'en 2034. Luc, peut-être que tu peux rester si longtemps également au sein du Rotary. Est-ce qu'on peut faire confiance à Poutine? Qu'en pensez-vous? Oui, mais je crois que l'image de Poutine dans les médias de l'Ouest est trop négative. Bon, je ne justifie pas ses actions, mais il ne faut pas oublier que si Poutine n'était pas à ce poste, qui serait là?
ça pourrait être mieux, mais bien moins bon également, parce qu'il y a pas mal de personnages nationalistes qui aimeraient bien prendre, prendre sa place. Et donc, peut-être que les relations peuvent s'améliorer grâce à M. Macron, M. Michel, qui maintenant a tout de même un poste de haute responsabilité en Europe. Alors, la dernière question, à laquelle vous avez peut-être déjà donné la réponse. Donc, il y a également des intérêts économiques, bien entendu. Oui, ben, vous avez parlé du gaz et du pétrole. Et, oui, ça, c'est très important. Donc, les Russes dépendent vraiment de produits, au fond. Et également, c'est un danger pour leur économie. C'est encore un facteur qui indique que nous ne devons pas trop craindre la Russie. Donc, c'est une force économique en régression. Bon, je crois qu'on peut clôturer maintenant votre présentation. Je voudrais que nous vous applaudissions également le gouverneur du district, que j'invite maintenant sur le podium. Want ook hij heeft u nog een zeer mooie chèque te overhandigen. En... Il va vous remettre un chèque, mais il va vous l'expliquer. Mon cher professeur, mon cher Tom, tout d'abord un grand merci pour cette excellente prestation et félicitations pour ce que tu as dit. Ça nous permet de réfléchir en termes de société actuelle et de penser au piège de sa future évolution. Tom, tu es un ambassadeur de la paix et c'est grâce au Rotary que tu as reçu cette distinction qui t'aide maintenant à donner les cours à l'Université d'Anvers. Donc, entre autres, des conférences pour le Rotary. La conférence d'aujourd'hui est en droite ligne dans la suite de celle de l'année dernière, lors de l'Assemblée des districts, au cours de laquelle le ministre d'État, Herman De Croo, nous a parlé du danger de l'évolution démographique de l'Afrique pour la stabilité européenne. Donc, là aussi, nous sommes confrontés à un problème. Si le Rotary donne des bourses d'études à des personnes méritantes dans le cadre de la paix, c'est parce que la paix est un des axes stratégiques du Rotary. Le premier ou le dernier dans la liste. Ici, c'est le premier. Mais certainement celui qui fait la synthèse des cinq autres. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de santé, pas d'éducation. Et d'autre part, s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de stabilité, pas de santé et pas de paix non plus. Je profite de cette occasion pour vous dire que depuis hier, on a ajouté un septième axe prioritaire. Bon, non. Officiellement, c'est arrivé. Daarom. Alors, je reviens à la paix. J'ai donc souhaité, au cours de mon année, pouvoir mettre l'axe stratégique de la paix en exergue, car nous sommes dans l'année du 75e anniversaire de la fin de la guerre, le 75e anniversaire de la libération des camps, le 75e anniversaire de la signature de la charte de l'Organisation des Nations Unies, charte qui a été préparée, entre autres, par 49 Rotariens. Et 11 d'entre eux ont participé aux discussions. Et la charte, Tom, tu devrais le savoir, a été signée en 1945. Oui, mais quel jour? Le 26 juin. Donc, ça fait exactement 75 ans. Enfin, hier, donc. Qui porte depuis 69 le titre de ville belge de la paix. Un monument dédié à la paix a été érigé en 87 sur la place communale. Très près d'ici, le club de Hatt compte par, et je salue le président, je l'ai vu, il est là, le club de Hatt compte parmi ses membres d'honneur le docteur Mukwege, qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix.
Il faut aussi signaler que le district a aidé le docteur par la fourniture d'appareils médicaux pour l'hôpital de Panzi il y a 3 ans, mais que le club de Hatt continue annuellement à aider le docteur et l'hôpital de Panzi. Comme vous savez, je suis le deuxième gouverneur, on l'a déjà dit 2-3 fois, issu du club de la Louvière. Le premier étant Camille de Bergue, qui a été gouverneur en 1936. Il est représenté ici par son sosie, qui m'a accompagné tout au long de mes visites. Toutes les visites, j'avais mon ami Camille avec moi. Et Camille a écrit un livre racontant son voyage à la Convention de New York. Il y raconte ce qu'est le Rotary, quelles sont ses valeurs, dont nous parlerons encore aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus. Les valeurs n'ont pas changé, elles nous ont permis de traverser un siècle d'histoire. Camille de Bergue, homme politique et homme de paix, vous l'avez entendu, a été lâchement assassiné en 1944. Au cours de mes visites, il va tomber le pauvre, regardez, oh. Au cours de mes visites, j'ai eu l'occasion d'offrir à la vente le livre qu'il a rédigé, donc Camille de Bergue, au profit de la fondation du Rotary pour l'Axe de la Paix. Je suis donc, mon cher Tom, extrêmement heureux de pouvoir, au nom du district 1620, de te remettre symboliquement un chèque de 7 000 euros qui va à la Fondation pour le programme paix, c'est peu pour la paix, je sais bien, mais c'est surtout pour le cœur des gens qui veulent aider à ce projet pour faire un monde meilleur grâce à la paix. Voilà, s'il te plaît. On ne peut pas se serrer la main. Tom. Cher Tom, félicitations. Milliards, on n'y est pas encore, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc, dépenser plus d'argent pour la paix, c'est ça le message. Merci, monsieur le gouverneur. Merci, professeur. Je pense que nous avons déjà reçu pas mal d'informations. Tout petit break, car dans quelques instants, nous serons déjà de retour avec l'adieu des jeunes, mais peut-être le temps de profiter d'une interlude musicale. En fait, vous allez également retrouver le groupe, les images du groupe qui était prévu pour venir nous entretenir en réel. Donc, on se revoit dans quelques instants. Merci bien.